Elle avait pratiquement 79 ans. Alors, Marthe, c'est une figure un peu vraiment très marquante dans notre société, une figure exceptionnelle. Alors, je donne un peu quelques détails sur la vie de Marthe Robin. Alors, elle a vécu dans un milieu anticlérical, si on peut dire, un milieu où la famille était plus ou moins pratiquante, croyante, oui, mais participait peu à l'Eucharistie. Et voici que Marthe va donc grandir dans ce milieu-là. Et voilà, à l'école, reçoit une formation religieuse, bien entendu, selon le milieu. Et en 1918, donc, Marthe a 16 ans. Et elle va faire une crise qui va se déclarer par la suite une encéphalite. Et cette encéphalite-là va l'amener de plus en plus à la paralysie. Si bien qu'en 1929, Marthe est totalement paralysée, totalement paralysée. Et elle va... Dans sa paralysie, elle va accueillir quand même dans sa maison en plus de 103 000 personnes qui vont venir chez Marthe Robin, soit pour la consulter, soit pour lui présenter leur intention de prière ou leur projet. Marthe va donc être décédée en 1981 et elle sera reconnue vénérable par le pape François le 7 novembre 2014. Bon, il y a des choses dans la vie de Marthe qui sont étonnantes. Alors donc, tout d'abord, je dois mentionner la dimension de l'Eucharistie chez Marthe. Alors Marthe, à partir de 1930, à cause de sa paralysie, elle ne peut plus manger ni boire. Elle fait donc une encéphalite, comme je disais. Et des fois, on est étonné, on dit, ben, comment une femme peut vivre 50 ans sans manger et sans boire? Et Marthe elle-même dira, « Je ne suis pas un spectacle, je suis un signe pour les croyants. » Et quand les gens s'étonnent de voir qu'elle a vécu 50 ans sans manger puis boire, moi je me dis, le plus extraordinaire, ce n'est pas d'être 50 ans sans manger puis boire. Le plus extraordinaire, c'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. À chaque fois que nous prenons en l'hostie, le corps du Christ, c'est vraiment Dieu que nous recevons. C'est toute la Trinité qui se rend présente à nous. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Marthe, elle est un signe pour nous, nous rappelant la grandeur, la beauté de l'Eucharistie. Alors, Marthe est pour nous, je dirais, un prophète dans notre monde aujourd'hui, où on néglige énormément la beauté et la grandeur de l'Eucharistie. Elle est un prophète pour nous. Elle est un signe pour notre temps. Alors voilà une dimension de la vie de Marthe. Donc, à partir de 1930, Marthe ne se nourrira effectivement que de l'Eucharistie qu'elle recevra une fois par semaine. Maintenant, dans ces années 1933, le Seigneur va se manifester à Marthe. Et puis, il va lui exprimer le désir de mettre sur pied une œuvre qu'il va appeler le foyer de lumière, de charité et d'amour. Oui, c'est la mission à travers notre vie quotidienne. Alors, bon, l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est appelé, toi, tu es béni entre toutes. Non, Jeanne-Marc est en congé cette semaine. Ah, OK. En congé cette semaine. Les foyers de charité, ce ne sont pas des communautés religieuses, ce sont des laïcs, des hommes et des femmes mariés ou célibataires, qui, avec un prêtre, ont fait famille, on appelle la famille du foyer, avec le prêtre, qui est le père du foyer, et donc on partage, on prie ensemble, on travaille. Deuxième mot, c'est une grande famille. Vraiment, l'esprit de famille, c'est ce qui m'a touchée le plus. Une famille qui a Dieu au centre et puis qui veut dire au monde, c'est possible, différent que nous sommes, en âge, en culture, éducation, c'est possible d'être ensemble et de dire au monde que Dieu veut faire de tout le monde une grande famille. C'est ça qui m'a attirée, c'est ça qui me tient au cœur. L'œuvre des foyers de charité, c'est donc d'accueillir des gens. Et nous faisons des retraites habituellement qui commencent le lundi soir et qui se terminent le dimanche.
et revenir comme ça sur l'essentiel, les fondements de la foi. C'est au fond des retraites qu'on pourrait appeler d'évangélisation, des retraites d'évangélisation. Et le contexte dans lequel nous vivons les retraites, c'est dans le silence. Il y a certes des enseignements, des temps de prière, mais à part cela, on invite les retraitants à vivre dans le silence. Marthe elle-même disait, « Rien ne se fait de grand dans la vie d'un homme ou d'une femme si ce n'est dans le silence. » Et c'est pour cela que lorsque nous donnons les retraites, on invite les gens à entrer dans le silence, à se recueillir pour entendre Dieu qui parle dans leur cœur et ainsi approfondir les enseignements qui sont donnés sur les fondements de la foi.